Bonjour, bonsoir. Et je dis à nous gagnons l'autre vidéo qui nous a présenté et toutes les amis internautes nous, les gens qui aiment les vidéos nous, les gens qui toujours suivent les vidéos nous. Je dis à nous trouver c'est nécessaire pour nous présenter une vidéo qui est très importante. Et vidéo ça, c'est une question un chrétien posé nous, qui c'est est-ce qu'un chrétien a avorté? Est-ce qu'un chrétien qui a pratiqué l'avortement, est-ce qu'un chrétien qui a fait avortement? Sujet, je dis, c'est est-ce que chrétien qui a avorté? Mon avorté, nous connaissons en créole, c'est jeter petit. C'est comme ça qu'on dit en créole. Est-ce qu'un chrétien qui a jeté petit? Et c'est sujet ça que nous parlons. Ouais, je dis, est-ce que moi-même étant, est-ce que une femme chrétienne, et ma parle de femme chrétienne, est-ce qu'une femme chrétienne, ou même comme une femme chrétienne, est-ce que au cas avorté? Avorté a li en rapport avec garçon tout, parce que garçon encourage avortement en pile fois, ou bien garçon li cause avortement, et li en rapport avec docteur ou tout, en pile fois qui a appliqué avortement, li en rapport ensemble avec femme nan tout, li même qui a fait avortement. Qu'on a question, est-ce que un chrétien a avorté? C'est ça nous pral ouais. Et ces deux sujets, ça nous parle par les kounia, pour chaque chrétien, jeune fille, surtout, grand monde, nous, et adulte, nous, chaque membre chrétien qui est dans l'église, pour qu'à exactement marcher selon la parole de Dieu, vivre selon sa bon Dieu m'a dit. Et c'est ça que le sujet, ça, je dis, est très intéressant, et il m'a dit pour partager ce sujet, ça, avec tout le monde que vous connaissez. Partager vidéo, ça, avec toutes les amis, avec toute famille, avec tout le monde que vous connaissez, pour tout pour plus de monde qui arrive à toucher, pour chrétien qui connaît exactement qui sa parole, bon Dieu, dit dans chaque situation, qui j'en ou doué comporter, qui j'en ou doué vivre. Ok? Que bon Dieu va bien nous, et nous demandons pour tant de vidéos ça, et on va joindre grâce, bon Dieu. Ok? Je vais essayer de répondre avec question ça, selon sa parole, bon Dieu dit. Réponse directe, une question comme ça, est-ce qu'un chrétien qui a avorté, qui a fait avortement, c'est non. Réponse directe là, c'est non. Yon chrétien pas canan jete petit. Yon chrétien pas doué faire avortement. Yon chrétien pas supposé faire avortement. Nous répondons aux questions hein, d'une manière directe, mais qu'on est à nous pral moutoua ou pas A plus B dans la parole de Dieu qui est opposé avec avortement. La parole de Dieu opposée avec avortement et nous pral moutoua et noir sur blanc. Sa parole, bon Dieu, dit. Ça veut dire, en dépit de tout sortant de, en dépit de tout monde qui connaît qu'a fait avortement, comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dit qu'il y a plus que 93% de monde qui a fait avortement dans le monde. Et il dit que chaque 5 filles, il y a une qui fait avortement, surtout là, aux États-Unis. Et nous, côté, il a voté droit à l'avortement dans plusieurs pays. Côté ou voté droit à l'avortement, côté ou dit fille a gagné droit pour l'avorter petit sans problème, li pa yon désobéissance et civile, li pa yon désobéissance à la loi, pour ça parce que plusieurs pays voté droit à l'avortement. Ok? Et des pays qui bay docteur à droit pour le faire choix, les mamans ou bien ti moun nan, les ou deux à risque. Ok? Et, mais comme ça, tout des pays qui pa voté loi comme ça. Mais, c'est un pile pays, c'est presque dans tout pays, famille a fait avortement. Et nous pouvons regarder avortement sous plusieurs angles d'abord, avant nous bon des versets bibliques. Premièrement, nous reconnaître selon la parole de Dieu, nous reconnaître selon la science tout. Automatiquement, spermatozoïde, un garçon contre ensemble avec ovule, une fille, lui féconde ovule là, la vie commence. Bon, l'autre vie qui commence. Ça, c'est la science qui dit, peu importe l'été en masse informe, peu importe l'hypothèse qu'on même arrive dans le niveau foetus, ok, peu importe l'organe qu'on peut former, peu importe l'hypothèse qu'on a tête, l'hypothèse qu'on a membre, l'hypothèse qu'on a une série de membranes, mais les gens ont une série de cellules qui ont formé cœur, qui ont formé des chromosomes, qui ont formé toutes sortes de tissus qui pourraient le permettre, et vu ça, les vignes organes jusqu'à ce qu'ils viennent personne. En personne et qui a décidé pour être. Mais pour le moment, n'a pas gardé exactement foetus là, n'a pas gardé exactement ovule là qui fait gonder.
depuis sous première semaine au ville la Fégondéa, la vie déjà commencé. Depuis sous premier jour au ville la Fégondéa, la vie commencé. Pour qui ça? Parce que vie ça, il pral commencer produit, il pral reproduire, il pral multiplier jusqu'à ce que il vienne bay un organe normal, jusqu'à ce que il vienne multiplier dans plusieurs types d'organes pour bay un organisme complet et complexe. OK. La science d'accord avec ça. La parole de Dieu d'accord avec nous pral montrer tout à l'heure. Kounia et en pile fois, il y a plusieurs causes qui fait avortement. Parfois, avortement fait parce que la vie maman a risque. Et la vie de Simon a risque. Donc, tu as décidé pour le bain maman vivre. Et des fois, maman a décidé pour ce Simon qui vit. Avortement, on dit qu'on fait tout à cause d'irresponsabilité parentale ou bien irresponsabilité garçon. Parfois, garçon, il fin enceinte fille et puis il n'a pas jamais rentré en contact avec elle encore. Li bloqué numéro, il n'y a pas jamais qu'à jeune. Kon a voilà, fille enceinte, il pas comme ça pour le faire. Li ou elle pas ka occuper ti moun nan pour coller, il pas de aide. OK? Il pas de support. Et qui ça l'oblige faire, li jeter ti moun. Li obligé à retirer ti moun. OK. Et quelle fois tout garçon qu'on mandé fille pour retirer ti moun. Li kon dit, nous pas ka occuper ti moun kounya, nous pas gen moyen à le retirer. Li balcon pour la retirer ti moun ou bien menen. Gen des fois tout garçon li kon di fia petite la pa pour moi m'ba reconnaître ce monde ça ou pas enceinte pour moi al chercher papa qu'on a voilà li pa gen support pa gen aide li pa gen ken l'autre monde pour l'autre côté li obligé aller al retirer ce monde ça. Gen des fois c'est fia qui décide par lui même pour retirer ce monde li décide retirer li pa décide pour tout ce monde li poko décide faire petite et puis li al retirer ce monde. OK, bon dou peu importe où retirer dans première semaine que ou enceinte là, peu importe retirer après 7 semaines même, peu importe retirer après même 7 mois, c'est une vie que ou éliminer, c'est une vie que ou détruit dans ventre. L'avortement, les condamner par la parole de Dieu dans tous les sens, dans tous les figures. L'avortement est condamné par la parole de Dieu, parole bon Dieu condamné avortement. Avortement il doit faire tout et à cause comme de garder ça les cas fait donc il y a une fausse couche involontairement. Il y a un avortement involontaire, il n'est pas condamné par la Bible parce que son accident lié au point de vue accouchement, au point de vue grossesse là, il y a un accident, un problème qui passait et puis si monde en tombé. Soit si monde en tombé avec sang, soit le mourir devant fille et puis le docteur obligé fait lavage pour lui. Mais avortement ça y est pas condamné par la parole de Dieu. Avortement involontaire n'est pas condamnable. OK, mais avortement volontaire condamnable. Laisser remède ou boue pour jeter si monde tomber, ça pour jeter si monde, pour tuer si monde dans ventre, pour tuer gemme dans ventre, ça est avortement volontaire. OK, laisser maro qui bon remède sont pas qu'on est pour tuer ti moun nan, li rele avortement volontaire, mari ou responsable. OK, laisser ou même qui prend remède ou doit ba un docteur tirer pour docteur coupable ou coupable moun qui vaut la coupable. Dans tous les cas de figure, tout moun qui inclut dans avortement, li coupable de mort, li coupable de assassination de yon vie. OK, qu'on a en regardé par la parole de Dieu. Est-ce que parole bon Dieu li justifie et l'opposition à et à l'abortion, à l'avortement. Est-ce que parole bon Dieu qui ça dit de avortement? Parce que nous sont répondons pas un terme catégorique non, bon Dieu pas d'accord pour ou avorter, bon Dieu pas d'accord pour jeter ti moun, bon Dieu pas d'accord pour retirer ti moun, bon Dieu pas d'accord avortement dans tout sens. Nous allons regarder qui ça et comment bon Dieu concevoir, qui ça concevoir la vie par rapport à la parole de Dieu. Premier verset n'a regarder c'est Psaume 139 verset 13 à 16. Psaume 139 verset 13 à 16. Mais ça le dit m'a appelé en français parce que son Bible français qui n'a même en Bible français lui second qui n'a même. Mais ça le dit. Il dit que c'est toi qui as formé mes reins. Ça c'est David qui a dit ça. C'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère.
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret. Non, vente maman. C'est David qui a expliqué ça. Il dit, si c'est dans les profondeurs de la terre, ça veut dire avant même l'été fait, quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire, l'été dans votre maman, l'été en masse informe, quand j'étais une masse informe, ça veut dire, il peut être qu'on membre, il peut être qu'on tête, il peut être qu'on série de sens, il peut être qu'on série de tissus, une série d'organes qui a fonctionné, l'été en masse informe, peut-être à une semaine de grossesse, à 2 jours de grossesse, à 3 jours de grossesse, ok, il était en masse informe, mais ça le dit, tes yeux, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, ok, bon Dieu, t'es quand t'as gardé depuis là, moi tu es en masse informe, depuis le premier jour grossesse là, bon Dieu quand t'as web, et tandis ça le dit encore, il dit, et sur ton livre était écrit, était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu existait, avec aucun Dieu existait. Ça veut dire, bon Dieu, grand temps, grand plan, depuis ce premier jour où c'est cela, bon Dieu, grand plan qui était déjà écrit pour Timoun ça, qu'on enceinte là. Bon Dieu, grand temps, ouais, masse informe ça en devant tout. Et bon Dieu, grand temps, déclarer le c'est la vie. Ok, bon Dieu déclarer masse informe non, c'est la vie. Ok, et qu'on y a Exode 20 verset 13, Bral dit ne tuez point. Ça Exode 20 verset 13. Mais c'est dans Somme 139 qui expliquait depuis dans masse informe si mon autre foetus là et si masse qui en devant moi qui fait féconder, Bible a dit bon Dieu grand temps bon plan pour lui. Avait dit automatiquement, moi tuer masse informe ça, moi craser plein bon Dieu gagnant pour Timoun ça. Automatiquement, moi éliminer Timoun ça, moi détruire et comme si moi brûler livre qui était gagné comme avenir Timoun ça que bon Dieu était gagnant. Et bon Dieu dit ne tuez point. Proverbe 20 verset 13. Il dit ne tuez point. Et toute la Bible dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament coordonné pour dire ne tuez point. Parce que bon Dieu bah en pile et intérêt, vous dites, en pile importance à la vie. La Bible dit, ne tuez point. Ça veut dire, si moun sa qui en dans ventre, moi, même, en masse informe, premier jour où c'est cela, lisse, yon masse informe, bon Dieu, grand à reconnaître, li grand à bon plan pour lui. Il dit, pas tuer. Parce que c'est une vie qu'on a détruit. Ok. Moi, mon autre texte encore. Et par exemple, Mkabao, et Exode 21, verset 22 à 23. On regarde Exode 21, verset 22 à 23. Exode, c'est le deuxième livre dans l'Ancien Testament. Deuxième livre dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 21. OK. Verset 22, 23. Puis ça le dit. Il parlait de une femme enceinte. Une femme enceinte, là, peu importe où gagne un jour ou son femme enceinte, peu importe où gagne 9 mois ou son femme enceinte. Bon, la Bible reconnaît tout comme femme enceinte depuis le premier jour enceinte. Là. Dans mon bien, mettez ça en application. La Bible reconnaît tout comme une femme enceinte depuis le premier jour enceinte. Là. Depuis première intervention spermatozoïde là, sous. Au vu là, les fécondés, Bible a reconnaître où sont femmes enceintes. Et la science tout reconnaître où sont femmes enceintes. Soit elle cherche un test grossesse, soit elle achète un test grossesse dans Walmart, ou bien dans CVS, ou bien dans Walgreens, quel que soit côté où elle achète là, ou fait test grossesse là, ou a joué nous enceinte, même si c'est ce premier jour, même si c'est ce deuxième jour. Peut-être qu'on a fait ou pas ouel, peut-être docteur quand même fait ouel pas ouel, mais les yal refait ça y a joint ou enceinte depuis ce premier jour ou enceinte la Bible reconnaît ou enceinte depuis ce premier jour mais ça le dit. Il dit que verset 22 il dit si des hommes se querellent
et qu'il heurte une femme enceinte. Et la fasse accoucher, ça veut dire si Timon était dans un niveau pour l'accoucher, ok, sans autre accident, ça veut dire Timon n'a pas mouru, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Qu'ils paieront devant les juges. Ok, mais s'il y a un accident, ça veut dire si femme n'a fait une fausse couche. Si mon en tombé, même s'il te gon jour, deux jours, trois jours, semaine, deux semaines, quatre semaines, quelque chose à niveau là, j'étais gagné en deux mois, trois mois, sept mois. Si mon en tombé, si mon en mouri, Bible a dit, œil pour œil, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Moun qui tue, si mon ça, il est supposé tuer le tout. C'est que bon Dieu mesure, tenez bien, ce texte a li gon pile valeur, verset 23, verset 22, 23, gon pile valeur. Bon Dieu mesure la vie foetus là même gens à la vie d'un homme. Il dit vie pour vie. Il mesure la vie Timon depuis ce premier jour, depuis ce deuxième jour, il mesure le même gens à la vie d'un homme. Ça veut dire automatiquement au monde pas accidentellement lui permettre Timon sa femme ça, il font fausse couche, femme ça mourir ou bien femme ça et Timon ça mourir dans votre fille ou bien Timon a tombé sans vie de Sophia, si mon a tombé, mon sa a supposé mourir. C'est ça, la Bible a dit, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Peut-être c'est docteur. C'est docteur qui a droit, dans EOL, de permettre que si mon a tombé. Permettre que c'est docteur qui a un médicament qui fait si mon a tombé. Peu importe si accidentellement docteur coupable de meurtre, le coupable de tuer un monde, le coupable de assassination. Les coupables devant mon Dieu parce que les tués y ont vie. Ramenez-nous bien clair sur ça. Ça veut dire, bon Dieu, pas accepter dans aucun sens ou jeter Timon. M'bral montrer un autre texte biblique qui explique ça clair. Qui dit, bon Dieu, pas accepter pour Timon, pour jeter Timon dans aucun sens, pour empêcher Timon en fait. Bon Dieu, pas accepter pour retirer Timon. Il pas accepté, il pas accepté avortement en aucun sens. On regarde Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, m'a prendre pour rapidement. On rentre dans Ésaïe. OK, chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, n'a regarder verset 7, n'a regarder verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 7, verset 9. Quand dit ça Ésaïe chapitre 66 l'a dit. Ésaïe 66, il dit et c'est cette là, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a entendu, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup, à peine en travail, si on a enfanté ses fils? Texa lui expliquait une femme qui a avorté, une femme qui a retiré un petit monde avant douleur. Attendez bien. La Bible a condamné ça. Il dit que ce n'est pas la douleur qu'il faut enfanter. Ça veut dire que si on a retiré un petit monde avant la douleur, il est condamnable par la parole de Dieu dans Ésaïe 66, verset 7. Ésaïe 66, verset 7, il dit non! C'est pas la douleur accouchement doit faire. C'est pas la souffrance que femme doit mettre dehors yon fils. Mais comment ça arrive pour c'est une chose incomparable son bagage que moun pa jam tande qui pas supposé moun pa supposé tande pour avant même douleur arriver si moun nan gata saute dehors. Qu'est-ce que cela? Il dit non, on regarde verset 9 là. Verset 9 là dit ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel. Ça veut dire, moun qui dit avortement, bon Dieu d'accord là, ou péché contre la parole de Dieu. Mais il dit là, dans Ésaïe 66, verset 9, moi-même qui fais naître, moi-même qui fais moun fait petit, est-ce que je vais empêcher moun enfanté. Et c'est pour l'empêcher de si moun fait.
Ça veut dire automatiquement ou empêcher tout le monde fait, même si tu es docteur, même si tu es nurse, même si tu es maman, même si tu es papa, quelle que soit la façon ou empêcher tout le monde fait là, ou pécher selon Ésaïe chapitre 66, verset 7 à verset 9. Mais après, le verset 9 là. Ouvrais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Ça veut dire, est-ce que mon Dieu lui-même va l'empêcher au monde, est-ce que mon Dieu va l'encourager avant? La Bible a condamné avant. Nous avons plusieurs versets qui expliquent ça. Nous avons plusieurs versets qui montrent, surtout verset ça, qui dit, bon Dieu, il dit, si mon femme, il doit tonne que lui gagne douleur, il doit tonne que lui gagne souffrance pour lui mettre si mon dehors. Autrement, si mon supposé retenir devant tout pour le grandir, pour le développer, pour jusqu'à ce que lui accouche. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons que bon Dieu pour l'encourager à accouchement avant l'air? Est-ce que nous comprenons bon Dieu pour l'encourager à avortement tuer Timon? Non. Mais bon, l'autre texte biblique qui montre avortement est condamnable devant bon Dieu condamné à avortement. OK. Exode chapitre 23 verset 26. Pour tout le monde qui dit pas bon texte biblique qui dit pas gawa avorter dans la Bible, voyez-vous dans Exode 23 verset 26. M'appelle Exode 23 verset 26 pour ça très important. Ça a pile important, ça a pile valeur par texte biblique ça, il dit non à l'avortement. Mais ça le dit là. Il dit il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Il dit pas doit gagner dans pays ou là et pas gagner femme capable avorter. La bénisse entre les femmes pour femme pas stérile. La multiplier le nombre de nos jours. Mais le texte a dit, pas gagner, pas supposé, pas doué gagner, femme, nan mitan nous, ka gen ça dans le monde. Pas yé ka fait avortement, j'en voulais, et converti ka fait avortement, j'en voulais. Moun ki pa kon bon Dieu ka fait avortement, j'en voulais. Mais, parole bon Dieu, dans Exode chapitre 23, verset 26, il dit, pas doué gagner ça dans mitan nous même, qui se peuple bon Dieu. Pas doué gagner nan mitan nous des femmes qui avortent. Pas de gagner une femme qui a pas voté dans le contexte garçon qui n'a pas de responsabilité ou pas supposé gagner bagarre comme ça. Une femme, un garçon qui enceinte, en fille, a une douleur enceinte pour ou supposé prendre responsabilité. Si ou pas sûr, c'est pour ou qui a fait des tests, par exemple, des tests ADN qui a pour voler. Mais n'a aucun sens encourager ou bien permettre ou bien cause femme non à voter ou pécher. Docteur qui accepte de faire avortement, péché. Même les femmes, vie femme, en danger, ça n'a pas une preuve pour faire avortement. Femme qui n'a pas occupé petit monde, qui dit je ne peux pas occuper petit là, ou bien je ne peux pas petit monde, je ne peux pas besoin de faire petit monde, je ne peux pas rendre ceci, et puis qui décide de faire avortement. Ou bien accoucher dans toilette, al chita sur toilette pour petit monde en carton dans toilette, al jeter petite là elle fait ou péché contre l'Éternel. Il dit pas supposé gagner avortement même dans mitan. Ça veut dire ou même qui te connait faire avortement, parole bon Dieu dit non puis qu'on fait avortement. Ou même qui te gagne idée pour aller faire avortement, la parole de Dieu dit non pas de gagner ça dans mitan. Exode 23 verset 26. Bon, somme 139, David qui a expliqué, depuis dans vote, depuis dans masse infâme, bon Dieu te gagne à connaître, bon Dieu connaît tout petit monde, depuis dans masse infâme, depuis avant même de développer. Et il dit là, pas supposé qu'il y a avant. Exode 23, verset 26. Je répète plusieurs fois, c'est pour qu'il connaît parole, bon Dieu dit non à l'avant. Qui ça, Jérémie, il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, bon Dieu parle avec Jérémie. Il dit Jérémie parole ça. OK? Il dit Jérémie comme ça. Dans verset 5 là, il dit Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère.
je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Texte là, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire, imagine nous, yon ovule qui féconde. Ou son femme qui est premier jour enceinte. Ou qui est premier jour grossesse. Ou bien ou arrive dans 7 jours, dans 15 jours grossesse. Quel que soit l'heure. Depuis premier jour, Bible a dit, depuis avant que nous te commencé, faut développer. Attendez, oui? Bible a dit ça là. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant même de commencer à faire développer. Avant même de commencer à développer. Ok? Avant même où tu commences à développer, dans 20 maman, moi te connais. C'est que si moun sa qui gagne un jour en 20 ans, bon Dieu connaît. Pendant le poko même développer. C'est sa parole, bon Dieu dit là. Avant même de commencer à former, bon Dieu connaît. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça, jeune fille? Est-ce que vous comprenez ça, jeune garçon, qui a regardé la vidéo ça, matin, dans le moment ça, quel que soit l'eau à regarder là? Est-ce que au courant, si moun ça, qui n'a pas fait ça, depuis le premier jour, il y a 7 ans, bon Dieu connaît si moun ça? Quand on a voilà, bon Dieu a cherché si moun n'a pas qu'à jouer pour qu'il ça passe au jeté. Bon Dieu a cherché si moun n'a pas qu'à ouel, parce que ou gata retiré. Plein bon Dieu gata fait pour si moun ça. Bon Dieu, quand tu as écrit un livre pour Timoun ça, bon Dieu, quand tu as un avenir pour Timoun ça. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Il n'est pas pour simplement monde qui est vivant, pour monde qui est grand monde. Il n'est pas pour simplement monde qui est adulte. Il est simplement monde qui est fait déjà. Il est pour embryon qui est devant toi. Il est pour foetus là qui est devant toi. Il est pour masse et femme ça qui est devant toi. Il est pour Timoun qui est dans le premier jour grossesse. Les petits monde qui dans dernier jour grossesse. Ça veut dire bon Dieu qu'on aime. Ça veut dire peu importe c'est accidentel non, peu importe c'est fille qui a pris l'eau ou pas répondre téléphone jusqu'à ce qu'il pas connait ça pour faire la jeter. Peu importe c'est où dit la jeter, c'est où même qui dit le pas à chercher papa parce qu'on pas responsabilité. Peu que ça son doute tout gain ou pas connait si c'est pour ou jeter ton petit monde. Femme non qui jeter là les coupable ou même qui mandé pour la jeter là coupable. Docteur qui fait avortement coupable. Ça c'est Jérémie qui expliquait ça comment bon Dieu ouais premier jour grossesse là. Si moun qui en dame non pendant premier jour grossesse là. On la texte de que m'capre encore et dans Job chapitre 3 verset 11. Job chapitre 3 verset 11, il expliquait pour qui ça le pas mourir depuis dans 20 maman. Avait dit peut-être depuis dans premier jour grossesse ça il était qu'à mourir. Juste dans dernier jour il était qu'à mourir. Avec des biens dans votre, bon Dieu, quand on ouais, sont la vie qui est dedans. Ou pas supposé tuer, ou pas supposé retirer, ou pas supposé jeter pour ou commettre un meurtre qui est condamnable par la parole de Dieu. Qui est le texte biblique? Moi, bon, Exode 20, verset 13 qui dit ne tuez point. Attendez. Ou même qui est chrétien qui a regardé la vidéo, pour qui ça bon tout texte biblique ça? Et moi, des textes bibliques clés qui dit même pigou avoté, qui utilise le mot avotement même. Qui s'opère le fait qu'on y a à pour finir une formation comme ça? Ou même qui te kon jete petit, jeune fille te kon jete petit, de pour enceinte se jete, ou jete en premier, ou jete en deuxième, ou jete en troisième. Gen fik fè vil ap jete petit. Voilà, en pile fois qui vient stérile qui pas ka fè petit encore. Imagine son seul petit bon Dieu t'a baou. Ou enceinte li, et puis qui sont fait ou jeter. Imaginez, bon Dieu, tu as un plan pour Timoun ça, pour te mener 100 moun à la conversion. Qui sont prêts à le faire pour mener 100 moun ça à la conversion, pour finir tuer Timoun ça? Et ou gen pour mener la conversion? Est-ce que vous comprenez ça? C'est grave pour ou retirer Timoun. Quand il y a une question qu'on a posée pour dire, et si la vie maman en danger, il faut que si moun a retiré pour maman vivre. Ça c'est pas décision. Ça c'est décision bon Dieu pour qui décide qui est-ce qui pour vivre, qui est-ce qui pour mourir. C'est pas décision maman pour qui choisir, c'est pas décision docteur, c'est pas décision papa pour qui décide qui est-ce pour qui vivre, qui est-ce qui pour mourir. C'est décision bon Dieu pour qui décide qui est-ce pour qui vivre, qui est-ce qui pour mourir. Gen yon question moun pose, m li di, est-ce que c'est violé ou violé fils à l'enceinte?
li pa yon excuse pour retirer ti moun nan. Li dit, et si c'est pour papa l'enceinte, li pa yon encore yon excuse pour retirer ti moun nan, parce que ti moun nan pa cause erreur. Ti moun nan pa cause méchanceté. Ti moun nan pa cause inceste. Ti moun nan pa cause action malfaite k'ap fè. Ti moun nan pa cause rien. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui vient à l'existence. Et m'a dit ça, peu importe moyen si mon ne vient à l'existence, li bon Dieu te well. Bon Dieu te connaît l'état vient à l'existence comme ça. Et bon Dieu a un plan pour lui. Dans aucun sens, ou pas de droit jeter. Dans aucun sens, ou pas de droit retirer. Dans aucun sens, ou pas de droit avorter. Ou pas de droit aller au docteur pour faire docteur retirer pour ou pas gen droit al ka docteur pour faire bon remède, ou pas gen droit al ka femme sage, ou bien al ka moun ki kon feuille, moun ki kon remède pour ki ba ou pour faire jeter ti moun nan parce que ou ap vive nan péché de pour faire ça. De pour faire ça ou ap vive nan péché ou péché devant mon Dieu. Si ou te kon pratiquer l'avortement même si son seule fois dans vie ou tuer moun. Si ou te encourage une fille à l'avorter ou son assassin ou tuer moun. Si ou te cause yon fille avorter ou son assassin ou tuer moun. Si ou te suggérer l'avortement ou son assassin ou tuer moun. Si ou te quitter possibilité à exister pour avortement ou son assassin ou tuer moun. Ou même qui fait avortement, quelle que soit cause qui fait avortement, ou son assassin ou tuer moun. Ou même qui fait opération avortement, ou même qui bay remède pour avortement, ou même qui compose remède pour avortement, ou même qui fait comme te ka dit ça opération avortement, ou même qui cause avortement, ou même qui bay qui fait avortement, même docteur ou son assassin tout, même j'a papa, même j'a maman. Li dit li déclarer digne de mort moun k'ap fait bagay ça. An nou gade tek bik ça pour nous voir que ça mon Dieu dit de moun k'ap fait bagay ça. Romains chapitre 1. OK, Romains chapitre 1. Gardez-le. OK. OK, on regarde le texte ça, chapitre 1 verset 32. Romains chapitre 1 verset 32. Mais ça le dit pour monde qui fait bagay ça. Il dit eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bon Dieu déclare digne de mort monde qui fait bagay ça. Il dit non seulement ils font et encourager monde fait. Papa, maman, parent qui encourage petit yo pour faire avortement. Docteur qui encourage ti moun pour faire avortement. Ménage ou bien fiancé, mari qui encourage femme nan pour faire avortement. Zami qui encourage fia pour faire avortement. Fia qui décide par lui-même pour faire avortement. Bible a dit, li déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Li déclare digne de mort moun ka fè bagay sa. Non seulement ou fèl et ou encourager moun fèl, ou cause moun fèl, ou bay possibilité pour moun fèl, ou fè moun fèl. Digne de mort moun ka fè bagay sa. Ça veut dire sou te kon fè bagay sa yo, c'est jour pour repentir. Jeune fille, ou j'ai ton petit déjà, ou gen idée pour j'ai ton petit moun, si ou t'es enceinte. À confesser devant mon Dieu, à demander bon Dieu pardon. Non. C'est pas attendez, bon Dieu décide pardonner tout le monde. Il décide pardonner n'importe qui. Quel que soit péché ou t'es fait dans vie passé, bon Dieu a pardonné. Mais là tu aller mais pas péché encore. M'a conseillé de partager vidéo ça avec toutes amis ou avec toute famille. Avec tout le monde qu'on connaît qui est chrétien, avec toute jeune fille qu'on connaît, tout jeune garçon qu'on connaît, pour prendre des responsabilités, pour prendre des responsabilités, pour prendre des responsabilités pour empêcher avortement. Et puis, ou même qui tente des vidéos, ça, partager des vidéos à l'autre monde pour
nous suspendons tuer les gens. Pour que les gens suspendent mourir dans le monde. Combien de gens qui mourent par la voix? En pile. Et ça doit suspendre. Qui te païen vivre comme ça? Qui te monde qui par contre bon Dieu vivre comme ça? Qui te converti vivre comme ça? Mais moi-même comme chrétien, je ne peux pas encourager à votre main. Moi-même comme chrétien, je rejette à votre main. Ou même comme chrétien, comme chrétienne, ou supposé opposer à avortement. Non seulement pas faire, ou pas encourager mon faire, et ou opposer à tout le monde qui a fait. C'est sa parole, bon Dieu m'a dit. Nous dit que bon Dieu béni, que bon Dieu pour tout secours, que bon Dieu délivre, que bon Dieu faut comprendre l'évangile la plus bien chaque jour, et que vidéo ça a été porté en connaissance en plus pour nous, bon, plusieurs versets bibliques, à repasser, à garder, pour nous, est-ce que ça n'a pas dit, c'est menti, parole, bon Dieu, c'est la vérité. C'est pas un bagage que nous dit, comme de garder ça, une suggestion ou bien une analyse personnelle, mais c'est la parole de Dieu que nous, bon, noir sur blanc avec des versets bibliques qui dit non à l'avortement. Nous, bon, un texte biblique qui est clé, c'est Exode 23, verset 26. Il dit, pas doué gen la kayo, moun kap fè avotman. Pas doué gen nan mitan nou, moun, fem kap fè avotman. Nan aucun sens. Peu importe se garçon kap fè l'fèl, peu importe se li même qui décide l, peu importe se parent kap exige l, peu importe se zami kap encourage l, peu importe se docteur kap fè l, Bible a dit, pas supposé, pas doué nan mitan nou, Exode 23, verset 26, pas doué gen nan mitan nou, fem kap fè avotman. Que mon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu encourage nous, que bon Dieu permette que vidéo ça les partager là les plus loin. Toujours pour plus monde vive, connaît la parole de Dieu concernant l'avortement. Que bon Dieu bénisse nous au nom de Jésus.